Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend Elden Ring. Ça fait depuis 15 jours que j'ai pas touché au jeu, donc ça va être chouette. Je sais plus du tout où j'en suis. Allez, hop. Est-ce que vous avez tout? Vous avez le son, vous avez l'image. Normalement, tout va bien. Et moi, je n'ai pas le chat sur le téléphone. Je suis un connard. Voilà. Ah oui, on était là, c'est vrai. Je peux faire quoi? Je peux pas level up avec. Non, faut 50 000 de runes maintenant, je crois. Putain. Enfin, 51 000. Ok. On avait battu le boss du moulin. On était allé vite fait au bout là-bas, il me semble. On va redescendre tout en bas. Hein. Bonjour, voilà. On va même passer vite fait par là. Vérifier. Il me semble que j'avais absolument rien ici. Non, c'est la mort ici. Ah, peut-être par là? Hop. On meurt pas. Hop, on meurt pas. Par contre, il y a un objet là. Bonjour madame. Sympa. J'utilise ma main là, mais son. C'est pas grave. Alors. Ça l'a pas one shot, t'es sérieux? Reviens là. Touche-le! Merci. Ok. On va redescendre ici. On va ne pas redescendre ici. C'est le vide. Là, c'est la mort. On descend par là. Bijoux, bijoux. Bon, on va continuer le chemin à gauche ici. Avant l'entrée vers la capitale, on va juste finir ce bout de truc là. Et est-ce qu'on est. Je me sens que j'ai pas été dans ce coin là. Donc on va faire ce coin là. Ici j'ai fait, j'ai tout fait. Mais ici je crois pas. On va remédier à ça. Ok. Oui, je me souviens qu'il y avait un peu de... Un peu de problème ici. Et bien rester en mouvement. Aïe! Plus en mouvement que ça. N'inquiétez pas pour moi, je me casse. Du coup on ira aux portes de la capitale. Quoi qu'il y a peut-être un site de grâce tout là-haut. J'aimerais bien le prendre s'il y en a un, ça m'éviterait de refaire tout ça. Bisous les gars. Aïe. Les catapultes elles sont là. Oh. Du coup, si je les passe, je serai tranquille. Voilà.
Il est où, d'ailleurs? J'avais été là? Non, hein. Ok, on va redescendre par ici. T'aurais pas un site de grâce juste ici là? Ça me rendrait. Voilà, là. Je l'avais? Non, je l'avais pas. Au bourg de la capitale. Là, on pourra revenir ici après. Du coup, on va explorer juste la petite partie sur la droite. Noé. Comment on fait déjà? Hop. Voilà. Pendant nos guerres en taille foudroyante. Ça peut être sympa ça. Non, c'est pas là. Inventaire. Inventaire, j'ai dit. Utiliser votre arme, vous connaissez un éclair en abattre. Utiliser la dame, la double ainsi que toutes les épées à Chimas. Bonjour monsieur. Il faisait la vie broutieste. Rien d'autre ici. Bon. Je sais pas pourquoi je peux utiliser ma Damoc, mais... Aïe. Reviens là toi, tu crois où? Et le chevalier est là. Viens. Non. Viens pas, j'ai plus mes Damoc. Non, c'est pas ça que je vais faire.
Eh bien. Tu me droppes rien, bâtard. Ok. Merci beaucoup. Bonjour. De guet de la chaussée. Oh. Un objet ici, je l'ai vu. Oh putain, je crois. Pêche dorée. Et en dessous, c'est du décès. Et ils essaient de me catapulter quand même d'ici. Hein. Salaud. Ah, salut. Non, non, mais c'est bon, je te laisse descendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir en haut du coffre? En haut du coffre, en haut de la tour. Non, 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 il y a un truc là. Plus une sortie. Ah, peut-être pas. C'est juste une sortie. Arc géant et grande flèche. Il commence cet arc géant. Je savais pas que j'avais tout ça moi. 20 force, 20 dex. Les grandes flèches sont compatibles avec les arcs géants. Il est puissant en vrai. Non, je voulais pas faire. Non, c'est pas grave. Comment on descend? Voilà. Hop. 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 Et on se casse. J'avais eu la graine dorée là-bas? Sans doute. Ah, bisous, adieu, monde cruel. Mais quel abruti, mais quel abruti. Pas regarder. On va en profiter pour finir de regarder ici. Et a priori, il semblerait qu'il n'y ait absolument rien. Espoir. On va juste tout contourner, récupérer le les runes. Si on peut, hein.
Bisous les gars. Ah, du coup, je suis mort où là? Où mais... C'est juste là-haut. Allons-y. Ah. Et parce que 47 000 de runes, du coup, ne pas passer par là. On retourne là, tranquillement. On va se casser. Et on va aller. Du coup, plus ici, ce côté droite, allonger le long du mur. Et du coup, là, c'était où le truc que j'ai eu de graines dorées? C'est juste là, je crois. C'est là-bas. Plus j'avais pris la graine dorée là-bas. Aïe! T'es en train de courir, monsieur le juge. Aïe. Et non, je l'ai pas eu. Putain. Voilà. Oh monsieur, je viens de tuer tous tes copains. Voilà. L'héroïne là, on y a été, l'héroïne là. Pas convaincu. Toi. D'où tu sors, monsieur? Aïe. Il est où? Ouais, mais t'es tombé tout en bas, moi je te rejoins pas, hein. Eh ben, va te faire. Voilà, comme ça. Effectivement, je pense pas être venu ici, ça me parle pas.
Après, il n'y a rien à loot, donc ça, c'est un peu plus surprenant. Ah bah si. Bonjour. Pierre de forge sombre 5. Très bien, mais... Non. C'était où? C'était là qu'il y avait un boss, un dragon. Truc là-bas au milieu de rien. J'ai déjà été. Donc je fais face, non. Non, c'est là que je dois aller. Ben, allons-y. Mais remonter quand même, repasser par en haut. Ah oui, il y a la plaine qui fout droit là-bas. La plaine de Macalania. Alors, tout au bout là-bas, il y a un machin que je vais aller voir. Au bout du chemin. Au bout du chemin ici, et après on ira sur la gauche là. Oh, c'est de grâce. Parfait. 30 en vigueur. Du coup, on fait quoi après? On bourre la Dex. Hein. Plus que les dégâts, hein. 25 d'endurance, on s'en satisfera. J'imagine qu'il va falloir courir très vite. T'es déjà allé là-bas? Non, hein. Bon, quand ça sent le boss d'entrée. Au moins lui il est pas invisible. Oh, petit bac sable des familles. Ça fait plaisir.
Ah! Non! Non! Mais lui aussi, il s'est fait blesser avec un backstab des familles. Enculé. Voilà. Il ne drop rien? Ah, un couteau noir. Et 15 000 de runes. C'est un talisman. Non? Pavé. Pavé bâton. C'est une arme? Tout noir. 18 de fois. Non mais. Ah, ça fait des dégâts sacrés. Nombre rituel confère le pouvoir de la rune de la mort à cette lame à la forme singulière. Lame de la mort. Déchaîner le pouvoir de la rune de mort pour projeter une lame. En plus d'infliger des dégâts à l'impact, ce projectile réduit les PV maximum des adversaires et leur fait subir des dégâts continus pour une courte durée. C'est stylé. Du coup, il gardait un donjon. On dirait une tombe. Une tombe avec des pièges. C'est sûr que c'est ça. À moins qu'on descende dans le dans la Siofra et l'Incel. Non, c'est juste une tombe. Tombe du héros canonisé. Ça m'enjaille pas du tout. Je déteste les tombes avec les pièges là. Non, oh, charge lourde. Charge moyenne, non. Vu que j'étais en charge lourde. Ah. Salut. Ok, one shot. Talisman de la graine pourpre. Qu'est-ce que c'est? Augmente les PV rendus par la fiole de la graine pourpre. Ok. Ça peut être utile. D'ailleurs le message quoi? L'ombre baigne dans la lumière et révèle la faiblesse. Commencer par le premier embranchement. Oui. Oh là, oh là, oh là. Vous êtes combien là-bas? Ils sont où les petits copains diablotins là? Quoi, c'est du sable? Un mur caché. J'ai l'impression d'être en fat troll. Et encore?
Eh bien. Fais quoi si tu viens jusqu'ici? Ah! Pense que j'aurais pas pu le tuer si... Il était resté dans l'ombre. Ouais, ça refait 0 dégâts. Ok. Il faut que je trouve absolument la zone de lumière. Wow. Zone de lumière, elle est là-bas. Aïe! Pour Forest. Voilà. Et on peut se battre, venez. C'est quoi comme équipement là? Tac tac tac, c'est bon. Par contre, il y avait un méchant truc là. Peux te taper toi ou pas? Ouais, t'as pas besoin de lumière toi. Ouais, pas de lumière. J'allume ma lampe. Du coup la suite c'est ici. Ouais, la grosse zone de piège là. Le truc il va s'écrouler au milieu. Arriver par en haut. Donc soit ça s'écroule au milieu, soit il y a un mur caché, soit les deux. Allez, tombons dans le piège. Ouais. On arrive directement dans une zone de lumière. Levier. Mais ça ouvre la porte. Bon, évidemment. Vous êtes sensible à des trucs, vous les gars. Oui. Peut-être c'est une mort définitive ou... Je dirais que oui.
Un truc pour monter. Bien sûr que si. Même chose en face, non, il n'y avait que ici. Il y avait plein de choses à faire, putain. Non, il m'a bouffé. Aïe. J'ai roulé, c'est l'argent. Voilà. Bien, toi. Va faire du câlin. Et mais il casse le couille le mage en haut là. Il va le battre encore un corps si t'es un homme. Voilà. Ah oui, il y en avait un deuxième. Et... Le truc est un labyrinthe, hein. Ah, il en faut deux là. Ah non, il en fallait qu'une. Taillissement du bouclier draconique. Ça augmente grandement la résistance aux dégâts physiques. C'est un plus 1, j'ai pas trouvé le 0. Petit mur caché dans cette salle. La suite est là-haut, on n'a pas fait la suite du couloir, on ira après. Hein. Et... Ah! Et là, on retombe où? Ah, c'est la salle dans laquelle on est tombé tout à l'heure. Avec tout... Ok, bah on va finir le couloir, du coup. Ça a l'air d'être la suite. Ça, ça a rien de prendre. Celui-là non plus. Comment je fais pour monter là-haut? Non. Non, reviens. Viens. D'abord se débarrasser de Roger là. Mon merde, voilà. Ah, genre, tu peux pas. Ah, la tristesse. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être mieux. Là tu... Ah, mensonge monsieur. Oui.
Là, c'est trop loin, c'est bizarre. Ah merde, j'ai raté. Non, 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 je me suis trompé de bouton depuis le début. Et bah allez, allez, allez. Non! Et là, mais vas-y, la caméra. Concentrons-nous. Ah, je suis sûr que c'est ça. Donc un demi-pixel. Essayez de l'autre côté. De l'autre côté, j'étais plus à l'aise. Patron, c'est pas ça du tout. Et non, parce qu'il y a un passage au-dessus, donc c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Oh, encore. Et là, c'est la salle du boss? Sérieusement? Et comment je monte là? Ah, peut-être. Ben non. Ah, peut-être de l'autre côté. Eh bien. Ah, une meilleure vue de là-haut. Et rien ici. Non, je crois qu'il n'y a rien par là-haut. Piège à con. Alors, on y va, hein. Ah, je te déteste. Aïe. Non! 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 Pas le prix, va! Alors, tout se retaper là! Ah, je déteste ce truc! Machin, il t'enchaîne, il s'arrête jamais! Du coup, est-ce que par là, j'accède à d'autres trucs? Je sais pas si c'est...
chier les mages là. Voilà. On merderait plus. Ah. Est-ce que j'arrive pas? Voilà, je pense que c'est un raccourci, on va aller voir ce qu'il y a au-dessus. En dessous, je veux dire. Voilà. Bien, donc ensuite, par ici, on a ça. Raté, évidemment. Coup là, j'atterris où par rapport à tout à l'heure? Ok. Hey, ramène ton cul là. Ah non, 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 faut que je continue dans l'autre sens en fait. Là, je reviens en arrière. Il me semble. Il me semblait mal. Ok. Ouh, t'as pas de raccourci jusqu'au boss? C'est quoi cette arnaque? On va essayer de passer par où? Ça m'intrigue quand même si ce soir. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un raccourci vers le boss là-haut. Si tu meurs, tout se retaper et tout, je pense pas que ce soit prévu. Donc la suite, ce serait de ce côté-là. Là, ah, ok. Y a pas un mur là? Ah non. Bon. Du coup, faut refaire le truc du saut là. Oh. Et là faut juste se barrer. Et du coup comment j'accède là-haut? C'est ça que moi ça me qui me m'intrigue là.
Oh, j'aurais pas dû faire ça. Non, j'étais bien. Allez. Arrête de sauter. Avance. Voilà. Oui, d'ailleurs, un raccourci là-haut, non? Aïe, un raccourci vers la mort, oui. Casse-couille avec ses magies là-haut. Aïe! Il est crevé avec ses conneries. Elle est descendue, Roger. Notre chemin là. Bon bah non hein. Quand même retenter un peu là. Et quoi, un pédron? Caméra! Vite fait. Non! Allez. Ah, chef. Merde. Ah! 2 mm près, quoi. Pas sympa. Merde. Mené. Platforming de merde. Ah! Hey,
Je l'ai touché du bout de l'orteil, ça compte pas! J'y suis. Ne pas mourir maintenant. J'ai pas envie de galérer à refaire tout ce merdier. Non, juste là. Je me suis fait chier pour rien. En vrai, est-ce que j'ai envie de... Bah oui, hein. On va quand même se venger. Hein. Il y en a deux? Ah non, ah non, non, non. Ok. Non, mais ça sert à rien de faire son, le platforming de merde, on retombe dessus quoi qu'il arrive. Essaye juste de tracer. On peut passer par là directement, on n'a pas besoin de sticker les deux zigotos. Ah, il est où ton copain? Un deuxième? C'était peut-être le premier et le deuxième. Ça n'a pas de sens. Pardon. Les vilains pas beaux, on va juste les esquiver. En évitant de se prendre une lame. Voilà. Non, le monsieur avec son cheval là? Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est perdu, je crois. Ou... Pas compris.
Ah, meurs! On met où? Ok, du coup, du... Regardez notre mana. Mais en vrai, si tu fais le platforming, tu esquives la salle avec le gros méchant. Ah! 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 Où est-ce qu'il y a de la lumière là quand je retourne en arrière? Il a pas l'air. Il a pas l'air gentil, monsieur. Un truc de lumière ici au sol. Faut que je remonte à Perpète pour la voir? Ça sent la mort. Mais comment tu veux que je fasse, moi? On va retourner en arrière, loin, loin, loin. J'espère qu'il va me suivre jusqu'au bout. Oui, là pas de soucis, il me suit. Il a de la vie, hein. Une lourde porte s'est ouverte quelque part. Merci. Ça, c'est pas un levier, c'est un mécanisme pour ouvrir la porte. N'importe quoi. C'est pas un levier, c'est un mec à tuer pour ouvrir la porte. T'es sérieux? Ah ouais. J'ai pas du tout failli crever. Du coup, on va voir s'il cachait quand même avant. Mais quoi? Comment tu réapparais toi? D'où tu sors? D'où tu te permets de renaître là? C'est quoi cette histoire? Alors, est-ce qu'on a été au bout de nos surprises ici? Je ne pense pas. J'entends un bruit. Alors, un mur caché. Pas de mur caché ici. À mon avis, de l'autre côté, il n'y en aura pas non plus. Let's go boss. J'étais là.
Ah oui, j'allais dire non, il y a une autre salle. Putain, mais ils mettent une autre salle avant le boss. Ah, une effigie de Marika ici, c'est bien. On évitera de tous retaper! Notre potion déjà. Oh, lui encore. Bon, bisous hein le boss. Christophe Chevalier des Dragons Anciens. Bien, merci. Un petit coffre peut-être? Pas de petit coffre peut-être. C'est tout? Entrée, oui. Putain, par contre, il m'a filé pas. Putain, de 75 000 de runes. Il m'a pas filé autant, je pense. Moi, s'il m'a filé 20 000, c'est déjà bien. Hein. Ouais, plateau Altus. C'est juste. Tuer ça. Redescendre, récupérer le. Ouais, hop, approche là. Niveau, oui, est-ce que je fais de la Dex? On a besoin d'endurance, je veux dire. Non. Pour la Dex, c'est la fin. Il est où le levier? Ok. Du coup, maintenant la suite c'est quoi? Faut qu'on aille à droite ici. On explore sur la droite. Derrière nous, on a fait tout ça. Enfin, il me semble qu'on a fait. On vérifiera, mais d'abord. Je suis presque sûr que j'ai pas pris. Ouais, j'ai pas pris tout ça. Alors? Ah, prends-le.
bugué à cheval. On tend là. Voilà. Calme-toi les chèvres là. Les chèvres foudroyantes, calmez-vous. Voilà. Bien. Ma fille, elle est ruine. Il y a une église. Ah, il y a un chevalier, je l'avais pas vu. Bon, mauvais. Aïe. Meurs, cheval. Voilà. Entendu, hein. Putain, c'est embuscade quoi à l'église. Oh, coffre. Bénédiction électrifiante du dragon. Encore un sort que je vais pas pouvoir utiliser. Voilà, 21 fois. En carreau de foudre. Et une larme de vie pour augmenter. Des fioles. On va tout le chemin vers la capitale. C'est quoi là-bas? Grand ascenseur dès que tu... Ah oui, c'est le grand ascenseur. Non, le grand ascenseur il est là-bas. Au bout du chemin. Et pourtant on dirait que c'est ça. Hein. Je fais passe là. Ouais, c'est ça. Du coup, ici, on va continuer à explorer le long à droite. Alors là, on peut descendre avec le cheval. En bas. Peut-être faire ça. Vérifier un truc avant. Peut-être faire ça parce que peut-être qu'il y a une grotte en dessous.
Oui, elle Hop. Voilà, voilà, calmez-vous la poudre. On peut descendre là. Ouais, hein. Ça a l'air ok. Pourquoi on peut se. On peut invoquer là. Bonjour monsieur. Aïe, 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 aïe. Salut Zert. Aïe. Merci pour le raid. Je suis dans la merde. Je vais mourir. Je vais mourir. Bienvenue à tous. Voilà, c'est bon, je suis mort. Je reste pas, pas de spoil, y a pas de soucis, de toute façon je suis foutu. Et bienvenue à tous. Salut JJB, JJB Live, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne. J'ai vu que t'avais avancé sur Horizon. Mais oui, mais tu restes pas, donc j'espère que le stream s'est bien passé. Oh, souffrance, souffrance, pourquoi? parce que du coup on se casse de là. On va appeler l'ascenseur. J'espère que vous êtes bien amusé chez Zert. Je n'en doute pas une seconde. Tiens, oui. Viens dire bonjour, voilà. Ah c'est mon chat. Bonjour. Et bonjour. Oh oui. Donc pour ceux qui arrivent, ben, me connaissent pas, je fais pas mal de sous-like en ce moment. Et un peu de rétro de temps en temps, un peu de jeu d'horreur. Globalement, c'est ce que vous allez retrouver. Touk. Du coup, j'étais mort comme un sac là-bas. Et là-bas, je voulais descendre aussi. Il doit y avoir un truc ici. Mais comme on peut y aller par en bas, je m'en fous, je vais d'abord aller là. Mais ils sont vénères les chevaliers là. Est-ce que tu connais le jeu JJB? Enfin, est-ce que tu l'as déjà fait, je veux dire. Ou est-ce que tu l'as déjà vu ailleurs? Ouais, je suis dessus. Ah, tu es dessus aussi. Est-ce que tu es plus avancé ou moins avancé? Du coup, peut-être que tu veux pas te faire spoil non plus. Elles sont où mes runes? Donc quelque part là. Je pense que mes mecs se sont fait dépop en 2 secondes. Un par un, ça va aller beaucoup mieux. Ils avaient l'obligeance de... Ah non, il n'est pas mort. Non, 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 non. Oh bah ça va, ils ont fini déjà. Ils ont fini le job, parfait. Putain, mais... squelette de merde. Voilà. Niveau 107, troisième boss principal. Ok. Je ne sais pas ce que c'est un boss principal. Ah, c'est Godric et les autres. Niveau 107, ouais bah tu dois être... Mais je souffre dessus. Donc t'es un peu plus avancé que moi, ok. Troisième, c'est qui? Parce que t'as... Elles sont la mienne.
Godric, Renala, Radahn. Et après, j'ai mangé les noms, je sais plus. Je te spoile pas, merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Et on voit les noms il nous les dit à la table ronde, mais je les ai mangés, ça fait 15 jours que j'ai pas touché au jeu. Tu t'es venu que pour ça ici. Est-ce que tu en fous l'exploration à chaque fois que tu trouves un truc toi aussi, ou est-ce que tu essayes de faire le 100%? Quoi qu'il y a là-bas? Enfin, pas le 100%, enfin moi j'essaye pas de faire le 100% à fond, mais au maximum explorer tout ce que je peux voir. Très dissipé, mais pas le 100%, je fais mon aventure. Ouais, je fais exactement pareil. Attends, du coup je suis paumé là. Ouais, je retourne là-bas. Je vais retourner là-bas. Ah, il y en a encore. Il en reste. Et viens. Ah d'accord, t'es pas avec tes petits copains, ça va passer beaucoup mieux quand même. Hein. Mais oui! Mais ouais! Comment ça va, Kuro? Pour faire le 100%, t'es quasi obligé de regarder les Soyuz, donc non. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, pas pour le premier run. Et après, enfin, après, t'auras un New Game Plus, etc. Ok, mais là, enfin, moi, même le trailer, je l'avais pas vu, quoi. Je ne l'ai pas vu. Et qu'est-ce que t'as fait comme build, du coup? T'es parti sur quoi? Correct. Correct seulement? C'est pas suffisant, ça, correct. Bon, moi, ça va bien. Je pars où, là? Ok, je pars sur... un truc que j'ai déjà visité, donc on va retourner en arrière. Ouais, on revient ici et on revient là. Pourquoi j'ai mis ça, je sais plus. J'ai mis des marqueurs, je me souviens même plus pourquoi. Je vais aller là, parce que là je suis sûr qu'il y a une grotte dans ce coin-là. Cette épée ici. Mais si, mais si. Vigueur, endurance et dex. Ah ben, je suis un joueur dex aussi. Et tu joues avec quelle arme alors? Là, je développe la magie pour équilibrer. Ah! Bon, écoute, moi j'ai 13 en foi et ça montera pas plus haut. Mais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour, monsieur. Allez. Ah non, pas à deux mains. On va prendre ton bouclier, voilà. J'ai dit que j'allais là-bas. Donc monsieur m'interrompt.
J'ai un katana à droite, baguette à gauche et arc. D'accord. C'est quoi, c'est l'arc long que tu as? Ou c'est un arc... un autre arc? Parce que j'en ai drop plein. Katana, c'est celui de base? Ou t'as drop un autre? Je sais qu'on peut en avoir un autre, j'en avais vu un autre chez quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas réussi à l'avoir, donc je sais pas du tout est-ce qu'il l'a eu. Il est où, machin? T'entends, je le vois pas. Hey, salut gamers! Comment vas-tu? Comment va ta côte? J'imagine que t'es toujours en arrêt. Katana, lame météorique et arc long. Alors, je crois que je l'ai ça. Alors, si je l'ai pas là, je l'ai dans mon coffre. Ben, tu vois, elle est là. Mais il faut 18 d'intel. Moi, je suis pas assez intelligent pour porter ça. Mais elle a l'air assez cool, hein. Elle a l'air assez cool, mais c'est pas mon truc. Ben, écoute, ça va un peu mieux. Un peu mieux seulement. Ouais, ben, de toute façon, je pense que ça met longtemps à se remettre une côte cassée, hein. Ouais, j'ai eu 2 semaines d'arrêt de plus. Bah, tu m'étonnes. Bah, il me semblait que 1 semaine pour ce que t'avais, c'était quand même pas beaucoup, hein. J'ai eu le grizzly. Non, mais. Laisse-moi tranquille. Par contre, ça m'inquiète qu'on puisse invoquer encore déjà ici. C'est pas les grizzlies qui m'inquiètent. Peut-être que ça devrait. Oui, ça devrait, effectivement. Aïe! Aïe! Mais tu n'importe quoi, un coup de patte arrière là! Voilà. Ouais, mais quand elle m'a dit la semaine dernière, ça avait pas encore été cassé, j'avais pas encore fait la radio. Ah oui, c'est vrai, c'est ça l'arnaque. Change de médecin, ça se diagnose sans radio et ça se confirme avec la radio. Ouais, mais peut-être c'était. J'ai pas pris de machin. Il buguait le jeu. Ah non, on voit rien en vrai, je me doutais que c'était ça, mais il fallait l'ordonnance. Sauf si t'as fait le guerrier, il est pas mal. En vrai, même sur la radio, on voit rien. Sérieux? Il y a forcément un truc ici. Rien? Ah. Ah, voilà des embrouilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est juste une plante, ça. J'ai eu peur. Par contre, tu gardes une grotte, ça m'intéresse, merci.
Sache-le, tu m'as convaincu avec ton Death Train, merci beaucoup! Alors attends, putain, j'arrive pas à lire là, c'est trop petit. Et bienvenue à toi, Ivar the Boneless! J'ai juste un froissement de muscle intascoto, j'ai déjà douillé de ouf. Ouais, j'ai déjà eu une côte juste fêlée, j'ai douillé de ouf aussi! J'ai quand même du bol parce que elle est pas trop mal placée. Un peu plus bas, ça aurait été encore bien plus chiant. Ok. Allô? Allô? Mon PC a freeze, hein. Donc, je sais pas si. Je sais pas. J'ai pas du altab. Pas bien. Pire que cet endroit. T'inquiète, t'es là. Bah ouais. Vous aussi, vous êtes là, mais il se passe plus rien. Contrôle là-dessus, ça marche pas non plus. Faut pas bouger, pas respirer, pas vivre, c'est ça. Et surtout pas rigoler. C'est ça le plus. C'est ça le pire. Ouais. Je suis ravi. Ich bin very content. Mais bon, c'est revenu. C'est revenu. Oh, calme-toi. Le son est tout bugué là. Mais d'accord. Oh, du parfumeur. On va essayer de faire un truc. Et de recharger la carte. Non. Hop, quitter. On va juste. Je vais juste relancer le jeu, du coup, ça m'a tout cassé. Je suis un streamer professionnel, ne l'oubliez pas. Hop. C'est pour ça que je dis que j'ai du bol, je peux respirer presque sans problème, c'est les grandes inspirations qui me font douiller. Ok. Alors, je reviens, hein. Juste. Tac. Ça va ou sinon? Allez, décollage, des bisous, bon décollage! Tu retournes au Canada? Pourquoi le jeu veut pas se relancer là? Tu m'emmerdes un petit peu. Il n'y a qu'avec ce jeu que j'ai des problèmes, sérieusement. Oui, marre de l'Europe. Je streamais en même temps que Eden. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Il va le jeu t'emmerde aussi visiblement. Le jeu ne m'emmerde pas, c'est. Si, il m'emmerde, mais techniquement. Bon.
Vérification des fichiers locaux. Voilà, paf. Pourquoi tu veux pas te relancer? Bon, du coup, demain soir, il y aura un stream exceptionnel sur un jeu d'horreur que je travaille pas samedi matin. Un vrai jeu d'horreur parce que je suis en train de faire Dead Space 3 et Dead Space 3 n'est pas un jeu d'horreur. Il lui est sûrement encore arrivé une couille, c'est un champion pour ça. Comment ça, on m'entend plus là? Qu'est-ce que c'est? Mais si! Mais tiens, on m'entend. Mais oui, il m'arrive toujours des couilles avec ce jeu, c'est horrible. Et j'en profite, j'ai oublié. Ah merde alors. Ah mais ça m'a fermé tout Twitch que. Tac. Enfin, tous mes lurks sont partis où? Donc c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Bon, il en est où le jeu là? Ok. Oui, je veux faire ça. J'adore les problèmes techniques. Quand c'est pas le jeu qui plante, c'est la connexion. Quand c'est pas la connexion, c'est le streamer qui plante. Tout va bien. C'est le seul des lives. Un petit peu. Dites-moi que vous avez le jeu. J'aimerais éviter d'altab quand je joue à Elden Ring parce que c'est un enfer pour revenir après, ça me fait tout bugger. Donc j'espère que là c'est revenu. Ah non, hein, ça n'est pas bon là. J'ai des micro-freezes. Sais pas si ça se voit là. Wouah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça? Ouais, non, c'est pas jouable là, enfin. Est-ce que je peux mettre en fenêtré? Je suis déjà en fenêtré sans bordure. Peut-être ça. Relancer. Estime.
Oh, j'adore ça, les problèmes techniques. Mais ça marchait bien, et d'un coup, ça marche plus. Et moi, j'y bite rien, je comprends rien, comment, pourquoi ça fait ça. Alors, ça me saoule encore plus. Non, c'est pas bon. Je le vois tout de suite. Mais... Ah non, c'est pas bon. Hein. J'ai pas envie de continuer comme ça, quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse à jouer. Je suis sûr que c'est dégueulasse à regarder, quoi. Bon, on va faire. Hop. 80 heures de jeu, j'en vois toujours pas le bout. Je vais reboot le PC. Visiblement, y a que ça qui va fonctionner. Ça me fait chier. Ben, restez là et je reviens dans 5 minutes. À tout de suite.